Yo les délits, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo OCG. Encore une fois, c'est une vidéo très rapide, c'est pour ça qu'elle sort un jeudi. C'est une vidéo où je vous ouvre 3 boosters du Golden Pack 2016. Donc c'est des paquets qui ont déjà 2 ans, mine de rien. Voilà, je les ai reçus encore une fois en même temps que la vidéo OCG que je vous ai fait il y a quelques temps sur l'archétype Guerguir, où je vous mets le lien soit en haut, soit dans la description. Moi en tout cas, je suis content de pouvoir ouvrir ça, je les ai obtenus grâce à Alexandre de Yu-Gi-Oh! OCG France. Je vous mets les liens dans la description. Donc n'hésitez pas à aller le check, il peut vous envoyer plein de petits produits de l'OCG. Contre achat, hein, évidemment, mais c'est des produits assez intéressants. On retrouve des produits qu'on ne retrouve évidemment pas dans le TCG. C'est des produits carrément super cool. Donc, nos fameux Golden Pad 2014. Donc, c'est pour les 20 ans de Yu-Gi-Oh! Si je ne me plante pas. Et voilà, on en a 4 boosters. On va se les ouvrir ensemble. Je voulais faire une vidéo assez rapide, juste parce que je voulais pas les ouvrir tout seul dans mon coin. Alors je vais essayer de l'ouvrir normalement, mais j'ai quand même préparé un ciseau parce que on le sait, les boosters OCG sont insane et c'est le cas avec celui-là aussi. Alors j'aimerais bien en fait pouvoir les ouvrir proprement, l'histoire de pas de pouvoir m'en garder un, hein, parce que c'est pas des boosters qu'on retrouvera toute notre vie. Comme vous pouvez le voir, ça s'ouvre super mal, mais vraiment super mal. C'est insane. Oh, j'ai l'impression de détruire le paquet. Oh, ça me fait mal au cœur, putain, à chaque fois. Alors, tac. Bon, allez, hein. C'est pas... Voilà. Un moment où faut que ça sorte, hein, quoi. Donc, ouh, du gold. Ah bah oui, c'est du gold, pack. Ouh, il est beau. Oh, il est magnifique. Je crois qu'il y a une secret gold à la fin. Pouf. Pouf. Oh, c'est tellement beau. Et on en a 4 à ouvrir. Mais alors là, je suis content. Mais alors content. Est-ce que je peux l'ouvrir? Non, toujours pas. Alors, est-ce qu'on peut forcer un petit peu ça? Le premier, on le voit pas trop si je le regarde dans ce sens-là. Si je l'abîme. Si je pouvais en ouvrir un petit peu mieux, ce serait quand même cool. Ouais, c'est pas mal. Celui-là, on l'a pas trop défoncé. Enfin, ça se voit pas. Hein. Ok. Ok, absolument magnifique. Absolument sublime. Oh, elle est belle. Ok, je crois qu'on l'a déjà eu juste avant. Et une trappe sans fond. Je crois que c'est trappe sans fond. Hein. Je pense pas me planter. J'ai juste allé vérifier si on n'a pas déjà eu cette carte-là juste avant. Non, c'était pas le même. Ok, bon, stylé. On va juste mettre les... Il nous en reste 2. Franchement, c'est le genre de petite vidéo super rapide, mais qui sont tellement cool à faire. Franchement, ouvrir des produits de l'OCG, j'adore vraiment ça. Enfin, pour le coup, l'OCG est vraiment au-dessus pour moi par rapport au TCG. Enfin, ils ont beaucoup plus de produits. Le jeu a l'air beaucoup plus actif là-bas. Enfin, c'est vraiment super cool. Ok, du coup, on a eu 2 trappes sans fond. Je crois vraiment que c'est trappe sans fond. Une en secret. Et une, je pense que ça s'appelle Secret Gold, mais j'ai un doute sur la rareté vu qu'elle est un petit peu particulière et que l'OCG a toujours des raretés un petit peu différentes. On l'a eu aussi. Oh! Elle est tellement belle! Wow! Oh, c'est franchement, cette carte-là est magnifique! Et le dernier, du coup. Oh, le petit paladin, comment il est beau. Franchement, ça fait grave plaisir d'ouvrir des produits de l'OCG. Je me demande des fois si je veux pas me spécialiser là-dedans. Non, vraiment, je me pose pas vraiment la question, mais c'est vrai qu'il y a un numéro 39. Oh, il est tellement classe. Alors, j'ai aucune idée des cotes. Ok, trappe sans fond, c'était évidemment dans la carte face. Un jugement solennel. Ok, tranquillement, un petit jugement solennel. Ok, LM. Oh non, du coup, on l'a eu 2 fois. Et celle-ci en secret. Et vous savez quoi, vu qu'on a eu 2 fois, celle-ci, c'était absolument pas prévu au début. Cet exemplaire-là, je vais le mettre sous sleeve.
Je vous invite à liker, commenter et vous abonner à la chaîne. On va faire un petit concours sur une semaine, un truc super rapide. Et je vous en offre un exemplaire. Voilà, elle est pour vous. Vous participez au petit concours, c'est gratos, ça me fait plaisir. Je l'aurais pas eu en deux fois, je l'aurais pas fait. Mais là, du coup, je l'ai eu en deux fois, je n'ai aucun intérêt. Vous savez quoi, même, je vous offre tous les doubles que j'ai eu ici. Donc, on va regarder ensemble ce qu'il y a eu. Donc, il y a eu ça en double. C'est sûr qu'on a eu ça. Je les ai déjà eu en secret, donc je les garde. Ça, c'est quoi? C'est la normale. Si je l'ai eu en secret, je vous l'offre aussi. Peut-être qu'il y a eu ça, je suis pas sûr, je vais vérifier. Trappe sans fond, c'est sûr qu'on l'a eu plein de fois, du coup, voilà, ça c'est la secrète, on va la mettre là. Et du coup, il me manque une secrète, où est-ce qu'elle est? C'est celle-ci. Tac, donc, vu qu'on l'a eu en secrète, celle-là aussi, je vous l'offre. C'était absolument pas prévu, mais du coup, ça me fait grave plaisir, je suis content de cette ouverture, on a eu des belles cartes, et du coup, bah, elles sont pour vous. Donc, je voulais vous faire gagner une seule carte, mais finalement, je vais vous en faire gagner 4. Je vous fais gagner ces 4 cartes-là, qui sont pour vous. Je vérifie juste que je me suis pas planté. Tac, elle est bien là, elle est bien là, elle est bien là, et elle est bien là, voilà, je vais gagner ces 5 cartes là. Donc, un livre de la lune, une trappe sans fond, je ne connais pas, et un paladin. Elles sont pour vous, vous likez, commentez, et vous abonnez à la chaîne, et d'ici quelques temps, je mettrai la petite condition dans la description, je vous les envoie aux gagnants de la vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, moi en tout cas je suis super content, je vais pouvoir encore une fois compléter ma collection d'OCG. Vraiment, je vous promets, je vous ferai une petite vidéo sur tout ça d'ici quelques temps. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, moi ça m'a fait plaisir, faites de nombreux duels et collections de cartes, prenez soin de vous, et surtout, à bientôt, allez, ciao!